Il l'ignore, mais son immeuble est surveillé depuis la veille, car il est soupçonné d'être l'auteur des tueries. Ce matin-là, les policiers en planque vont finir par l'apercevoir. Un hélicoptère survole le quartier à basse altitude. Intriguée par ce vacarme, Mera met enfin le nez dehors. Mera a été logée, si je puis dire, le mardi, le 20 mars. Au petit matin du mardi, il a ouvert ses volets, donc il y avait une certitude. Claude Guéant participe alors à une cellule de crise à Toulouse. Dans le plus grand secret, il est décidé que le raid interpellera les deux frères Mera dans la nuit, à 3h30 du matin. Le calcul avait été fait qu'à une heure où probablement ils dormaient, sensiblement avant le moment de la prière que sans doute il allait faire, c'était le moment opportun. En attendant la nuit devant chez Mohamed, la surveillance est en place. De nombreux policiers planquent autour de son immeuble et quadrillent le quartier. Tout est prêt pour l'interpeller. Pourtant, malgré ce dispositif exceptionnel, Mohamed va parvenir à sortir de chez lui. Sillonner Toulouse pendant 6 heures et rentrer à son appartement comme si de rien n'était, sans que les policiers ne s'en aperçoivent. Voici son parcours étonnant, étape par étape. Première halte à 19h30. Il rend d'abord visite à son amie Touria. Elle ne se doute pas une seconde qu'il vient de tuer 7 personnes, dont 3 enfants. Il rentre par là, je lui ouvre la porte, il rentre. Les enfants, ils descendent, ils disent « Bonjour tonton », il fait la bise et tout, tac. Après, je fais visiter, je dis « Bon, mais voilà, là, ce sera ta chambre. » Je lui dis « Ben ici, ce sera ta salle de bain. » C'est lui qui vous avait demandé de l'héberger ? Oui, oui, il m'a demandé, ça me dit quand je l'ai vu, il m'a dit « Est-ce que tu peux m'héberger, me rendre un service ?» Il n'y avait pas de souci. Je ne suis pas du genre à poser des questions. Moi, si on me demande, si on a besoin de moi, j'ouvre la porte et j'ouvre mon cœur avec grand plaisir, en fait. Mohamed cherche certainement une planque pour échapper à la traque des policiers. Mais il ne montre aucun signe de nervosité à Touria. Je l'ai vu souriant. « Ça va, Touria? Bien? Tu vas bien? Les enfants ?» Voilà. Mais moi, maintenant, avec le recul, parce que sur le moment... Il était si calme que ça, si posé. Si calme, posé, mais vraiment adorable. Après, il m'a dit « Je vais acheter une pizza, est-ce que tu veux quelque chose ?» Tu veux quelque chose à manger ? J'ai dit non, merci, c'est gentil. Et voilà. Bon, il a posé ses affaires dans la chambre où il devait dormir. Mohamed laisse 2 sacs dans la chambre. À l'intérieur, les policiers le découvriront plus tard, des vêtements propres, une petite caméra. Et sur cette carte mémoire, les images des tueries qu'il a lui-même filmées. Le sac de sport contient aussi un courrier écrit de la main de Mohamed. Visiblement, son testament. Voilà le message d'un serviteur d'Allah et d'un soldat d'Al-Qaïda. Ô vous les Français, nous vous combattons comme vous combattez mes frères en Afghanistan. Le jour de nos attaques, ça a été le plus beau moment de ma vie. 2 issues s'offrent à moi, soit la prison avec la tête haute, soit la mort avec un grand sourire. Mohamed quitte l'appartement à 21h30. Touria ne le reverra plus. Dans moins de 6 heures, il sera retranché chez lui, face au raid. La jeune fille ne comprend toujours pas comment son ami a pu en arriver à commettre de tels actes. C'était un bon garçon. C'était un bon garçon. C'est dommage. Il a fait n'importe quoi. En sortant de chez Touria, Mohamed continue tranquillement son parcours dans Toulouse, alors que les policiers quadrillent son immeuble, le croyant toujours chez lui. Mera a maintenant prévu de médiatiser ses meurtres. D'abord, il va poster la vidéo de ses massacres à la chaîne Al Jazeera. Il espère qu'elle diffusera des extraits de ses tueries. Puis vers minuit, il s'arrête à une cabine et parvient à joindre Eba Kalondo, rédactrice en chef chez France 24. Calmement,
il revendique l'ensemble des incidents, dit-il, de Toulouse et de Montauban. Il était très cohérent, très prudent, très déterminé de faire passer son message. C'était quelqu'un qui voulait être entendu, très convaincu que ce qu'il a fait était nécessaire pour la dignité des musulmans. Mohamed raccroche après 14 minutes de conversation. Puis il retourne à son appartement vers 1h du matin. Les nombreux policiers en planque devant son immeuble ne l'avaient pas vu sortir. Ils ne le verront pas non plus rentrer chez lui. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions demeurent sur le tour de passe-passe de Merah. Comment l'homme le plus recherché de France a-t-il pu échapper à la vigilance de la police pendant près de 6 heures ? Est-ce que vous savez comment Merah a réussi à échapper à la surveillance des policiers ? Non, très honnêtement, c'est un point qui pour moi est resté complètement nébuleux. Il y a effectivement une suspicion de sortie de son appartement. Je n'ai jamais eu d'explication là-dessus. Il y a eu quelques erreurs probablement ? Je ne sais pas. Absolument pas ? Non, je ne sais pas. Ça n'est pas remonté jusqu'à vous. Pour tenter de comprendre, nous nous rendons un an plus tard dans la résidence rue du Sergent Vignier, où vivait Mohamed Merah. Monsieur et Madame Lopez étaient déjà les gardiens de la résidence à l'époque des faits. Eux non plus ne comprennent toujours pas comment les nombreux policiers présents sur place ont raté Merah ce soir-là. C'est quoi ici ? L'appartement de Mohamed Merah. Où se sont déroulés les assauts. Par où il serait passé alors ? Ben, on pense qu'il serait passé voilà, par là. Pour la gardienne, c'est une évidence. Mohamed Merah est tout simplement passé par le sous-sol. Passé par le garage à vélo. Le garage à vélo, dont la sortie donne sur l'arrière du bâtiment. En sortant de son appartement, le jeune homme sur ses gardes n'aurait donc pas emprunté la sortie principale, à l'avant de l'immeuble, celle que surveillaient les policiers et qu'il filmait en continu. Il est sorti donc par là. Pourquoi ils ne l'ont pas vu ? Est-ce qu'ils voulaient le voir ? Est-ce qu'ils ne voulaient pas le voir ? Qu'est-ce qu'ils avaient projeté ? Parce qu'ils étaient là derrière. Moi, je ne sais pas. Moi, je serais à leur place. Quand je vais devant une entrée pour surveiller quelqu'un, je fais d'abord une approche de tout l'immeuble pour voir quelles sont les sorties. Ils étaient quand même un paquet. Alors même si c'était 10 devant et 10 derrière, le gars, il sortait pas. C'est pas possible. Il peut pas sortir ailleurs que par l'entrée principale. Non, mais par là, si l'immeuble était cerné, il pouvait pas sortir. Cette grande porte blanche serait donc la sortie empruntée par Merah ce soir-là. Passé cette porte, le parcours est à découvert et il n'y a pas foule dans ces rues très larges. Un homme seul ne peut pas passer inaperçu. Apparemment, il y a eu une faille dans le dispositif de surveillance. C'est vachement polémique ça en ce moment. Apparemment, il serait passé par un endroit derrière qui n'était pas surveillé, quoi. Alors pourquoi cet incroyable raté ? Le patron du renseignement toulousain n'a pas souhaité nous fournir d'explications. Cette nuit du 21 mars, en tout cas, Merah est tranquillement chez lui, après son escapade dans Toulouse. Il est déjà 1h du matin, mais il accomplit consciencieusement sa prière du soir. 3h10. Mohamed a fait sa prière du soir et il ne dort toujours pas. Il l'ignore encore, mais le raid s'apprête à intervenir dans quelques minutes. Dehors, l'unité d'élite se prépare à intervenir chez lui. L'interpellation est toujours prévue à 3h30 du matin. Les policiers, lorsqu'ils interviennent, ont la mission de l'interpeller et de tout faire, bien entendu, pour que l'interpellation se fasse en le gardant vivant. Interpeller Merah vivant, c'est un ordre donné par le président de la République en personne.
L'enjeu était de dire que le président et son équipe ont résolu une crise majeure, terroriste, quelque temps avant les élections. Mais évidemment, ça entraîne et un stress et une ingérence du politique. Et tout ça fait monter la sauce et ça peut perturber l'intervention. Effectivement, l'intervention du RAID ne va pas du tout se dérouler comme prévu. 3h15. Mohamed est dans son salon lorsqu'un bruit qui provient du rez-de-chaussée l'interpelle. Il le reconnaît, c'est le verrou de la porte d'entrée de l'immeuble. Quelqu'un vient d'y pénétrer. Mohamed ne le sait pas, mais le RAID vient d'entrer dans son immeuble. L'unité d'intervention progresse dans le noir pour rester le plus discret possible. En silence, les policiers du RAID arrivent devant la porte du suspect. Mohamed s'empare de son arme, un Colt 45. Car quelque chose n'est pas normal. Si quelqu'un était entré dans l'immeuble, il aurait forcément allumé la lumière. De l'autre côté, le RAID se prépare à installer le bélier pneumatique pour enfoncer la porte. Mais la manœuvre occasionne un bruit à peine perceptible. Sauf pour Mohamed, qui comprend que la police est derrière la porte. Le patron du RAID était sur les lieux. Quelques jours après les faits, il avait accordé cette interview pour détailler l'intervention. Il va, à cette occasion, blesser deux de mes hommes. L'un va prendre une balle dans la cuisse et l'autre va prendre une balle dans l'épaule. J'ai un fonctionnaire de police face à la porte avec son gilet pare-balles qui va prendre deux projectiles à hauteur du sternum. S'il n'avait pas de gilet pare-balles, il était mort. Les policiers ripostent en tirant dans la porte. Mohamed, lui, ne compte pas se rendre. Il se barricade chez lui. Approchez! Je sais ce que j'ai à faire, père! Mais tu peux gagner dans là! Ah! C'est ça! Là, je suis tout seul, quelqu'un, bordel! J'ai tapé la France! Ma mission, c'est de le prendre en vie. Si ma mission avait été de le neutraliser par tout moyen, à 3h30 du matin, le mercredi, c'était réglé. Avec l'armement que nous avons et le calibre et la puissance de feu que nous avons, c'était réglé en 3 minutes. Dès lors, le forcené se prépare à résister. Il s'isole dans la salle de bain, la pièce la plus retranchée de l'appartement, sans fenêtre. Celui qui se surnomme lui-même le messager d'Allah pense à se vêtir d'une djellaba avant d'enfiler un gilet pare-balles. Mohamed est prêt à se battre, arme à la main, une sacoche pleine de munitions à ses côtés. Il est un guerrier qui est rentré en phase de combat contre l'État français. Donc on se met sur une base de repli, en protection, pour tenir les issues, de manière à s'assurer qu'il ne s'échappe pas, et on entame cette fameuse phase de négociation. 2 heures après le premier assaut raté du RAID, la situation est figée. Mera est toujours cloîtrée dans sa salle de bain. La police décide alors de couper le gaz et l'électricité. Le forcené est plongé dans l'obscurité, comme l'ensemble du quartier. Dès l'aube, le secteur est bouclé. Le RAID se prépare au siège. Il faut maintenant tout faire pour que Mera se constitue prisonnier, sans faire d'autres blessés. Devant l'immeuble de la rue du Sergent Vigné, un négociateur du RAID tente d'entrer en contact avec le forcené. Mohamed, tu m'entends? Je suis le négociateur du RAID. Il faut qu'on parle tous les deux. Je vais t'envoyer quelqu'un avec un toki, il va te le jeter par la fenêtre. Et pour nous prouver ta bonne volonté, tu vas nous balancer une de tes armes en échange. T'as bien compris?
Au même moment, à 40 km de là, à Haute-Rive, Abdelkader Mehra, le grand frère de Mohamed, est interpellé à son domicile avec son épouse. Contrairement à son frère, il n'oppose aucune résistance et se laisse emmener au commissariat central de Toulouse, où il va être longuement interrogé. Considéré comme un salafiste, proche de la mouvance islamiste toulousaine, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir joué un rôle dans les meurtres de Toulouse et Montauban. Au petit matin, rue du Sergent Vignier, Mohamed a accepté d'échanger l'un de ses Colt 45 contre un Tokiwoki du raid. Le forcené est prêt à parler, mais il exige que son interlocuteur soit un policier du renseignement toulousain qu'il connaît. Marché conclu, le fonctionnaire est amené en urgence au QG du raid, un appartement réquisitionné à une voisine. Nous avons reconstitué les échanges qui ont eu lieu entre Mohamed Mehra et le policier du renseignement. Je suis quelqu'un de déterminé, t'as vu, j'ai pas fait ça pour me laisser faire attraper. Là, on négocie, on est en train de négocier. Après, en dehors des négociations, n'oublie pas que j'ai les armes à la main. Hein. Je sais ce qui va se passer, je sais comment vous opérez pour intervenir. Je sais que vous risquez de m'abattre, c'est un risque que je prends. Hein. Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Il nous a tout dit. Le fait que le seul regret qu'il avait, c'est de ne pas avoir tué plus de monde dans l'école juive et de ne pas avoir eu le temps de tuer plus de militaires également. C'était un personnage très cruel, très renfermé, très convaincu, déterminé. Voilà ce qu'on a appris de lui. Mon but dans ces attentats, c'était de tuer en priorité les militaires parce que ces militaires-là sont engagés en Afghanistan. Et tous leurs alliés, t'as vu, que ce soit de la police, de la gendarmerie, de la police nationale, de tout. Ma mission, c'était de pouvoir s'assurer de sa personne jusqu'à l'extrême limite de nos possibilités en vie. C'est la raison pour laquelle on a accordé toutes les chances à Mohamed Mehra de pouvoir se rendre après une phase très longue de négociation qu'il va concevoir lui finalement comme une phase de revendication, quasiment un testament, où il va complètement assumer l'ensemble des actes qu'il a commis à Toulouse et Montauban. En début d'après-midi, le patron du raid estime que la stratégie du dialogue est la bonne. Le forcené est beaucoup plus calme et semble prêt à coopérer. D'ailleurs, 12 heures après le début du siège, Mehra envoie un signal très positif aux policiers, en leur fournissant les clés de sa planque. Un box où, selon lui, seraient cachées de nombreuses preuves matérielles. Des policiers se rendent immédiatement à l'adresse indiquée par Mehra, tout près de son domicile. Mohamed n'a pas menti. Il s'agit bien du fameux scooter T-Max, repéré sur les scènes de crime. Le numéro d'immatriculation a été grossièrement maquillé. Le C a été transformé en O. Le scooter et un casque ont été repeints en blanc. Pour passer inaperçu, le tueur avait en effet changé d'apparence avant de se rendre à l'école juive. Les enquêteurs mettent aussi la main sur le Colt 45, qui a servi pour les tueries. Mohamed Mehra vient de fournir toutes les preuves de sa culpabilité. Sa reddition semble bien engagée. En fait, le jeune homme bluffe. Il n'a pas du tout l'intention de se rendre. Les heures passent et il retarde toujours plus loin l'échéance de sa reddition. Jusqu'à 22h45, où il annonce brutalement qu'il a changé d'avis. J'ai décidé de ne plus me rendre. Je peux pas, ça va en contradiction avec tout ce que je fais. Je peux pas me livrer comme ça. Non. Tes contradictions, non. J'y crois pas. Non, je m'en rends pas, c'est décidé. Depuis ce matin, quand je vous ai demandé du temps, c'était surtout pour reprendre l'énergie parce que j'avais pas dormi et j'étais très fatigué. Après, le fait que vous rentrez, comme je vous l'ai dit, je me défendrai jusqu'à la mort. Et sachez une chose, moi aussi j'en blesserai beaucoup d'entre vous. C'est lui qui décide
après plus de 20 heures de négociations, de rompre le contact avec nous. On essaye de le maintenir éveillé pendant toute la nuit avec des jets de grenades assourdissantes pour éviter qu'il se repose. Et en plus de ça, je maintiens le négociateur face à la porte pour que, jusqu'à la dernière extrême limite, à la dernière seconde, il puisse encore déposer les armes et revenir à de meilleures intentions. Après 32 heures de siège, Mohamed est prêt à mourir s'il le faut. Il n'a pas bougé depuis la veille. Ce matin, il attend le raid, les armes à la main. L'unité d'élite de son côté se prépare à le déloger. Et pour de bon, cette fois-ci. Au même instant, un voisin filme cette scène devant l'immeuble. On y aperçoit Bernard Squarcini, alors patron du renseignement. Et derrière lui, Amina et Souad Mera, les deux sœurs de Mohamed. Arrivé là-bas, ben, j'ai attendu. J'aurais vraiment souhaité lui parler, mais on ne nous en a pas donné l'occasion. À 10h30, un commando du raid est déjà derrière la porte de son appartement, prêt à investir les lieux. Dehors, des snipers sont positionnés pour couvrir leur progression. Les policiers viennent d'enfoncer la porte. Ils avancent lentement dans ce capharnaüm, redoutant que Mera ait piégé son appartement avec des explosifs. La progression se fait pendant presque une heure. C'est vous dire à quelle vitesse et avec quelle précaution nous pénétrons dans les lieux. Au moment où nous arrivons au bord de la salle de bain, endroit où il se trouve, on commence à opérer une brèche pour lui envoyer des grenades lacrymogènes. Les policiers commencent à percer la cloison qui les sépare de la salle de bain où se terre Mera. Mais Mohamed sort soudainement de sa cachette. Dehors, des policiers filment la fusillade d'une rare intensité. Il a été décidé de l'abattre Non, pas du tout. Pas du tout. 32 heures de siège. Non, il a été décidé de l'interpeller. Lorsque l'appartement a été investi, c'est Mera qui a tiré sur la police. Hein. Ce n'est pas la police qui a tiré sur Mera. La police s'est défendue, en revanche, ça c'est vrai. Mera tire comme un enragé sur les forces de l'ordre. Il espère les repousser pour atteindre la fenêtre du salon, par où il veut s'échapper. Et il va progresser dans l'appartement, au milieu de nous. Hein, comme il faut imaginer que là, on est en train de se battre dans un appartement qui fait moins de 40 mètres carrés. Ça vous donne une idée de la violence avec laquelle Mohamed Mera a décidé de mourir. Malgré les 300 balles tirées par les policiers pour le stopper, Mera parvient à atteindre la fenêtre du salon. Et c'est au moment où il va passer le bras au-dessus du balcon que mes snipers vont le neutraliser. Mohamed meurt sur le coup, d'une balle dans la tête, l'autre dans la moelle épinière. Il s'écroule en contrebas dans les buissons de la résidence. Le sentiment des familles, c'est que 32 heures de siège pour ne pas capturer vivant Mohamed Mera, c'est un échec. Parce que ces familles voulaient entendre de la bouche de Mohamed Mera pourquoi a-t-il ôté la vie de leur fils. Il est mort, il est parti avec son secret. Convaincus que des complices courent toujours, les familles de victimes réclament la déclassification des documents secret défense.